Ouais, non, bon, bah, on a normalement un gros poisson qu'on a chopé. Là, on va à son domicile. Il semblerait que ce soit un coureur cycliste professionnel. On attend encore la brigade qui nous contacte. On va essayer de voir ça tout de suite. Ils en sont où au match là, tu sais pas? Ralenti. Surtout après 34 minutes de jeu dans première période, et bien Nice putain. Face à Nancy. Loïc Rémy. Attention, avec peut-être une deuxième occasion là pour les deuxièmes boules en sang. Droite et gauche. Attends, là on va sortir. Regarde la dame. Attends. Regarde là, la dame. Ouais. Bon, allez, vas-y, viens, on est sérieux là un peu maintenant. Bon, là on va. À droite. Bon, bah là, normalement. On va le filer, il sait pas. Normalement, il était à 17h42, il a été à la piscine. 17h44, il est remonté dans sa voiture. 17h54, voilà, c'est ça. 17h54, c'est à gauche. C'est la BDLEC, c'est facile, c'est Brigade de Leclerc. Nous, on est là pour arrêter les suspects, on est là pour faire régner l'ordre, le propre. Je veux dire. Nous, on ne supporte pas le sirop. Je veux dire, c'est comme à l'apéro de 18h, quand on boit le pastis, on ne met pas de sirop. Hein? Les tomates, ça, c'est pour les PD. Vas-y, GG. Ouais, t'es bien. Recule encore. Ouais. Voilà, c'est bien. C'est bien? Vas-y. Je te fais signe. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a chopé donc, ce gros poisson. Normalement, là, il était à 17h54. Hein. 17h54, il a été aux toilettes, il en est ressorti apparemment avec un verre à la main. On va voir ce qu'il en est. Vas-y, c'est à gauche. C'est à gauche. T'as vu toi avant? T'étais à l'apéro là? J'étais à l'apéro, on a fêté ça. C'est régalé. Ouais, vas-y. Les rideaux à la Provençale. Vas-y. Tiens, tu te gardes sur la gauche là. Toi, tu te mets en plan B, séquentiel, sur la gauche. Garde-toi là. Non, prends pas le zipper, on va juste le filer pour l'instant. Si tu veux me le choper, on le file. C'est tout, d'accord? Attends, je le garde. Vas-y. Il est pas Leclerc. Okay. La semaine dernière, c'était un mec du CAC 41, je crois. Et bah, il s'était carrément assis sur la bouteille de Tesser. Donc il a voulu se l'injecter tout seul, ce qui est dangereux. Donc ça nous fait pas plaisir de faire ça. Ça nous fait pas plaisir forcément, mais bon,
on est là pour ça, on a dû aller la chercher nous-mêmes, donc avec la main, et voilà. Et bon, bah là, il est en prison, et bah, croyez-moi qu'il a du mal à en chier maintenant. C'est bon, reste là, bouge pas, bouge pas. On le filme ? Ouais, il va quelque part. Tu filmes là ? Tu le vois ? Regarde. Il est là-bas, tu le vois bien ? Mm-hmm. Putain, il y va un scooter électrique, ça c'est sûr. On est la première, hein ? Bah, attends. Ils sont combien au score là ? Ça marche pas ton truc là ? Puis ça, putain. C'est le Slovaque, Philippe Sebon. Ta gueule, putain, t'es con quoi ? Mais ça c'est le match. Mais t'es con quoi ? Putain ! Putain, s'il me file entre les doigts, je. Hey, je te promets, t'es à la circulation toi, enculé. Non, jamais. Si, si, si. Non, s'il te plaît, jamais. Bon, il est parti là, vas-y, garde-toi maintenant, garde-toi. Eh, vous couperez ça, hein ? Vas-y, garde-toi, garde-toi là, voilà, c'est bien, c'est bien. Ouais, il est parti, je te dis. Ouais, on va aller le choper. Mmh. Allez. On va attendre encore quelques secondes et on va aller le choper. Voilà. Ne lâche pas. Ne lâche pas, c'est un truc. Vas-y, avance. Avance. Ah, l'autre jour, la brigade de l'Auclair, on a été voir. On a chopé un coursier là. Thomas Vauclair. À l'Auclair. Thomas Vauclair, à l'Auclair. Ah, tu as compris. Il est parti par où ? Il est parti par où ? Je t'en prie, par où ? Donc l'autre jour, on a chopé quelques amateurs qui n'étaient pas à l'Auclair. Donc apparemment, c'était un sirop d'érable qu'on n'a pas réussi à déceler encore. Donc là, tous nos techniciens et tous nos infirmiers sont sur le qui-vive pour bien entendu essayer de faire régner l'ordre dans ce milieu hein, qui, bien entendu, c'est un fléau aujourd'hui. On est là pour ça, on est là pour ça. Là, je pense, oh putain, il est parti. On a discuté tout à l'heure. À gauche, je pense, à gauche. C'est du sirop de fraise. Hein ? C'est du sirop de fraise. Non, c'est pas du sirop de fraise. Un mec comme ça, si vous voulez filmer, un mec comme ça, c'est pas du sirop de fraise souvent. Les mecs comme ça, ils prennent souvent, dans la plupart des cas, en tant que brigadier chef, dans la plupart des cas, ces gens-là, c'est souvent des sirops assez pointilleux, si vous voulez. Mmh. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est genre. Des sirops, bon c'est bah. Des mélanges, hein. C'est des mélanges, voilà, mmh. C'est ça. C'est comme disait GG, c'est des mélanges. On est reparti par là. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est toujours assez difficile à choper, donc c'est pour ça qu'on est obligé de les filer. Circulez. Au fait, Jamy, t'as vu la montre Festina ? Je te l'ai montré. Ah non, c'est. Putain, mais merde, attends, c'est la télé, t'es con. C'est bon. Oui, les gars, portez du renfort, je crois qu'on l'a. Vas-y, attends. Avance-toi. Donc, j'ai envie de dire sirop d'érable, sirop de fraise, grenadine, tout ce qui passe, moi j'en veux pas. Les mecs, ils roulent à l'eau propre, cristalline, ceinture, ce qu'ils veulent, mais pas de sirop. Et là, je pense qu'on a ferré un gros poisson à la personne de Romain Feuillu. Et je pense qu'avec Jean-Mi, on va faire du bon boulot. Eh, si. S'il y a transition, tu me le chopes. D'accord ? Ouais. Clé de bras, enfin tout ce qu'il faut. Non, l'appelle pas, il va le vivre en 3 ans.